Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau pet shop, car j'ai eu des nouveaux pet shops, donc dans des puces en fait. Parce que, genre, enfin, dans des puces, pas l'animal. Hein. En fait, chez mon père, derrière chez moi, il y avait une des puces, et du coup, bah, je suis allée acheter 5 pet shops qui ont coûté 1 centime. 1 centime, je sais plus quoi. Donc, du coup, bah, j'ai eu 5. Enfin, ça m'a coûté 1 euro. Donc, je vais faire de celui que j'aime le moins, celui que j'aime le plus. Donc, c'est parti. Donc. Celui, un chat que j'ai eu, donc lui, je les ai lavés. Hein. Sauf qu'ils sont tous un peu sales en fait. Et en fait, genre, elle me les a fait, la dame, elle me les a fait moins cher parce que tout le monde avait pris les plus beaux. Donc, il a des taches là que je vais enlever au dissolvant. Donc, voilà ce chat que je voulais trop avoir. Donc, voilà, il est trop beau. Ensuite, ce petit perroquet qui est toute mon enfance parce qu'avant, avec une de mes amies, on y jouait et elle avait ce perroquet. Donc voilà, donc lui c'est mon deuxième chat comme ça. Et lui c'est mon deuxième perroquet. Donc il est rare parce que, enfin, l'édition un peu spéciale, on va dire, parce qu'il a l'œil en verre. Et sa tête elle bouge comme ça, mais pas son corps. Donc, et puis il a l'œil en verre. Donc voilà. Ensuite, ce petit écureuil que j'avais avant, que j'avais perdu. Donc du coup là je l'ai re-eu. Donc le perroquet il avait aucune tache chez lui non plus. Donc voilà. Donc le chat persan, il n'a pas de prénom, enfin le premier. Donc là c'est mon troisième écureuil. Le perroquet, je l'appelais Coco. Et donc ce petit écureuil, je ne sais pas encore comment l'appeler. Donc voilà. C'est mon troisième sosie. Ensuite, pour la fin, les deux couches que j'ai le plus. Donc il y a ce petit chien. Il est juste en trop trop bon état. Donc voilà. Pas vraiment de prénom parce que ça sera tout. Voilà. Donc c'est mon premier chien de cette forme. Et il est juste trop kawaii. Voilà. Et en dernière, nous avons ce chien juste magnifique. Donc lui, il est. C'est dommage parce que c'est le plus abîmé, donc il est abîmé au museau, à l'œil et tout. Il a des taches et tout, mais ça j'enlèverai tout au dissolvant parce que peut-être que je le repeignerai tout. Donc là, je l'ai appelé Cotonoua pour faire allusion à mon manga préféré et un peu à Sucrète aussi. Donc voilà. Donc. Il est juste magnifique ce chien. Et genre, je rêvais trop de l'avoir du coup. Mais je l'ai là, je l'ai, vous voyez, je l'ai là. Donc, je suis trop, trop, trop contente de l'avoir. Voilà. Sur ce, je vous fais de très, très gros bisous à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, restez contents. Oui. Non, je déconne. Restez happy.